Bonjour à tous et à toutes les athlètes et bienvenue sur Next Physique. Next Physique, c'est l'émission, le podcast où on discute de sport de force, de santé, de bien-être et tout ce qui tourne autour de ces thématiques. Aujourd'hui, je reçois dans cet épisode une invitée particulière qui sort un petit peu du lot, c'est Léa Rose. Léa Rose qui est une ancienne contorsionniste à haut niveau, très haut niveau, on peut le dire. Elle sera peut-être modeste dans l'épisode du jour, mais bon, c'est quand même une personne qui est issue du Moulin Rouge avec des entraînements très spéciaux. Elle est passée par des entraîneurs russes avec des entraînements particuliers. Elle va pouvoir nous raconter un petit peu tout ça, nous parler un petit peu d'étirement. On va pouvoir parler un petit peu de son ancienne pratique. Bien qu'aujourd'hui toujours jeune, Léa Rose a quand même un sacré bagage derrière elle. Elle va nous raconter tout ça aujourd'hui. On va lui poser pas mal de questions autour de cette ancienne pratique qui lui a aussi donné une expérience très particulière autour du monde, mais aussi autour de la préservation de son corps, de sa santé. J'accueille tout de suite Léa Rose, on est parti pour l'épisode du jour. Ok, je suis avec Léa Rose qui vient de me rejoindre juste à l'instant. Bon, on va pas mytho, on a loupé la première prise où elle s'est présentée. du coup, je vais la laisser se représenter à sa sauce, même si je l'avais déjà présentée juste avant. Vas-y Léa. Donc, je m'appelle Léa Rose, j'ai 24 ans, j'habite à Bordeaux et je suis franc-américaine. Ok. Ça marche. T'as fait ta vie majoritairement en France ? Non, plutôt aux États-Unis, puisque j'y suis née, j'ai vécu, j'ai sauté deux classes, et donc je suis arrivée pour la période du lycée, ici. Donc j'avais 17 ans. Ok. Est-ce que pour toi c'est vrai ou c'est faux, le fait qu'on dise que la France est en retard sur tout ce qui est fitness et remise en forme par rapport aux Américains ? Non, mais tellement. Ah ouais ? On est vraiment en retard par rapport à eux ? Bah ouais, quand même, je trouve que ouais, honnêtement, alors on n'est pas des exemples sur la bouffe, je ne vais pas mentir, hein, les rois des plats préparés, c'est nous, ouais. Chacun son talent, mais effectivement de se remettre en forme, de faire des efforts, j'ai l'impression qu'on est plus, on se met plus dedans déjà, et surtout il y a plus de possibilités, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de coachs, hein, même s'il y en a eu beaucoup en France aussi, ça a explosé, mais on en a quand même beaucoup, et les salles de fitness aux États-Unis ne sont évidemment pas les mêmes qu'en France. Ouais, ouais. Basic Fit, chez nous, c'est un garage, tu vois. C'est vrai. Ouais. Et là, je vais partir au Canada, et j'ai vu les salles, ça n'a rien à voir, c'est des hangars, c'est des trucs immenses. Et nous, c'est des salles de ville, en fait. C'est... Ah bah oui, là, ça va te changer. C'est clair. Et surtout par rapport à toi qui viens de Bordeaux, franchement, je trouve que Bordeaux, c'est les plus petites salles que j'ai fait. C'est des salles qui sont, en général, dans des bâtiments à la française, un petit peu napoléonien, etc. Donc, c'est une salle au deuxième étage. Tu as du parquet dans la moitié de la salle. Tu peux pas jeter tes poids, tu peux pas faire de bruit. Il faut marcher doucement dans une des salles que j'ai fait, là. Ça fait un petit peu, ouais, c'est genre fait du fitness mais pas trop, tu vois, genre reste calme. ça marche. Et toi alors, de ton côté, le fitness? Bah, disons que c'est le problème quand t'es dans une ville avec une architecture qui est ancienne, quoi. T'es obligé de la, mais au moins ça fait des salles super jolies, tu vois. C'est vrai que c'est original, et c'est clairement plus joli qu'un hangar, c'est clair. Et ouais, justement, juste avant, je te demandais, et toi, alors, le fitness, la musculation, c'est comment? C'est comment? c'est occasionnel. C'est occasionnel. Occasionnel, même si ça ne devrait pas. Ça ne devrait pas. Après, il faudrait que je sois plus régulière. T'as une petite expérience, quand même. Parfois. Ouais, un petit peu, mais... Ah, tu connais des choses que je ne suis pas une acharnée. Oui, c'est sûr. Mais je pense que c'est justement après mon accident, de toute façon, que j'ai décidé d'aller en salle. Ça m'aurait pleuré l'esprit avant. D'accord. Et puis le grand boom, hein, des réseaux, je pense que ça s'est beaucoup démocratisé aussi. Ouais. C'est comme ça qu'on s'est connus. C'est ce qui m'a, on va dire, un peu facilité la tâche. C'est vrai que c'est comme ça qu'on s'est connus. Ouais. Mais forcément, à l'époque où j'ai commencé à m'y intéresser, avant que je m'y intéresse, parce que du coup, mon chirurgien, après l'accident, m'avait conseillé d'y aller pour me remuscler, etc., en plus de la rééducation à l'hôpital. Hein.
Et je me rendais compte qu'il y avait beaucoup, beaucoup de garçons, évidemment, sur tout l'espace poids, musculation. Les filles étaient essentiellement sur les machines de cardio. Sauf que moi, il fallait que je me muscle pour mon genou. Donc, c'était pas du tout l'endroit où je devais aller. Sauf que je n'osais pas y aller. En général, j'ai quand même pris un abonnement d'un an à la salle. Alors, je ne sais plus combien ça m'a coûté, mais c'était assez conséquent pour les points, enfin, en mon époque en tout cas. Et j'y suis allée deux fois. Parce qu'à chaque fois que j'allais, il y avait des mecs partout. Et du coup, j'étais préparée et tout. J'étais dans le vestiaire et je faisais à peine sortir et j'arrivais sur le plateau et je faisais demi-tour. Donc c'était un peu pathétique. Et c'est ce qui a fait que j'ai lâché pendant un temps et puis que j'ai essayé de m'y remettre après. Mais je pense que l'amour de la mousse au chocolat est plus fort. Et donc je passe plus de temps à manger de la faire du sport. C'est pas bien, c'est comme ça. Ah, mais tu pourrais faire les deux. Hein. Tu pourrais faire les deux. Ça, tu le sais. Hein. C'est ce que je montre au Moi, quotidien. j'aimerais surtout faire les deux en même temps, tu vois. Ouais. Ça peut être sympa. Hein. Ça peut être un concept. Hein. Les curl and cheesecake. Et ouais, c'est vrai que sur Bordeaux, j'avoue avoir quand même assez noté une bonne différence homme-femme. C'est-à-dire qu'il y a des endroits de France où la répartition des sexes sur le plateau, on va dire autour des poids, elle est assez équilibrée en tout cas. Ici en Normandie, ça va, hein, franchement, c'est assez équilibré. Je trouve que les pires endroits de France que j'ai fait, ça a toujours été sur la côte. Autour de Bordeaux, c'est franchement, il n'y a pas beaucoup de femmes. Sur le côté poids, il y a beaucoup d'hommes. L'ambiance est plus macho, même si ça va, ça crie pas, ça fait pas les singes, tu vois. Mais quand même, désolé les Bordelais. Et pourtant, Bordeaux se veut une ville assez moderne. Hein. Et Marseille aussi, j'ai remarqué, j'ai noté ça à côté. Ou d'autres salles proches dans le sud de Marseille, etc. Alors que à Lyon, ça va encore, et dans le nord, c'est beaucoup plus équilibré. Alors je pense que c'est juste un, peut-être soit un phénomène lié qui est lié à la côte, les côtes françaises, soit qui est lié tout simplement au fait que c'est des grandes villes en fait. Proche des grandes villes, il y a plus de monde. Et il y a souvent plus d'hommes qui font de la musculation, donc du coup voilà, la répartition est déséquilibrée. Pourtant, à Lyon, ça va encore. Franchement, ça va encore. Mais ouais, ok. Et donc, du coup, par rapport à cet accident, on va revenir dessus après sur qu'est-ce que c'est, pourquoi tu as dû, du coup, considérer la musculation et qu'est-ce que cet accident, du coup. Mais explique-nous ta vie d'avant. Explique-nous ton ancien. Enfin, c'est un sport en vrai, parce que c'est une sacrée dépense que tu fais dans cette activité-là, qui était ton métier. Explique-nous ce que c'est exactement. Eh ben, avant, tout simplement, j'étais contorsionniste, donc à Disneyland, et je suis revenue au cirque. Tout simplement. Ok. Donc t'as démarré à Disneyland. Toi, je savais pas qu'il y avait des contorsionnistes à Disneyland. Alors, c'était sur des shows, entre guillemets, enfin, qui étaient occasionnels, si tu veux. C'était pas tout le temps, mais il y avait des périodes, en fait, où il y avait des petits spectacles, notamment à Disney Village. Et moi, donc, j'ai fait d'abord le cirque, et ensuite... Ensuite, j'ai fait le Moulin et Disney Ok. et, de façon occasionnelle. J'ai fait 2 mois à peu près à Disney. Alors, expliquez un petit peu pour les personnes qui connaissent pas ou qui sont un petit peu incultes de la culture française, c'est quoi le moulin? Le Moulin Rouge, alors, c'est l'institution. Je pense qu'il n'y a pas de meilleur mot pour décrire cet endroit. C'est un cabaret très, 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 très connu. Qui est là depuis un moment, hein. Il a été construit en 1889, donc hyper dur, hyper dur. Il a accueilli beaucoup de monde, hein. Il est au pied de la butte Montmartre, donc vraiment plein Paris, dans le beau Paris, le Paris des artistes en fait. Hein. C'était ça à l'époque, c'était le Paris des artistes, Paris des poètes, des écrivains et donc des danseurs notamment, et des danseuses. Et voilà, et aujourd'hui il est encore là, il tient debout, et c'est un endroit incroyable. Ok, Honnêtement, il n'y a pas de... on peut le dire, Je... il n'y a aucun endroit qui me fait ça. c'est quand même un endroit connu mondialement et on peut le dire aussi, c'était le top de ta carrière. Je ne sais pas si c'était vraiment le but, honnêtement. Je crois sincèrement qu'à cette époque-là, je n'avais pas forcément de but en termes de lieu. Je ne vais pas dire que je me laissais porter, mais... Ouais, si, je me laissais quand même un petit peu porter. J'avais juste envie de profiter de cette vie-là, qui était une très belle vie, qui me faisait rencontrer beaucoup de gens, qui était, oui, voilà, un peu quand on est ado comme ça, c'est vrai que c'était un peu
Voilà, les strass, les paillettes, etc. C'était très joli, c'était les grandes robes, c'était le cancan, c'était l'institution. Donc oui, ça me faisait rêver et c'était une chance évidemment d'être là-bas. Enfin, je l'ai vécu comme ça, mais ce n'était pas le but premier en tout cas. J'ai D'accord. même, enfin jamais j'aurais pensé finir là-bas, jamais. Mais tu étais heureuse là-bas, c'est quand même un beau métier, tu vois du beau monde, et du beau monde, mais aussi au sens propre, tu as découvert le monde grâce à ce métier-là. Ah oui, oh là là. Ouais. Oui, bah, en tant que contorsionniste, forcément, alors pas au moulin, puisque, alors, un petit peu quand même, parce qu'au moulin, il faut savoir que pendant les spectacles, la fréquentation, elle est de 70% d'étrangers, 30% de Parisiens, essentiellement, enfin, Paris et sa banlieue en tout cas, mais c'est 70% d'étrangers, donc c'est énorme. Et donc, bah, on fait des rencontres, effectivement, de personnes qui, à la fin du spectacle, viennent te voir, qui viennent de tous les pays, de toutes les régions. C'est vraiment des profils hyper, hyper, hyper variés. Donc, pour le moulin, oui, j'ai fait des rencontres à ce niveau-là, déjà, ça a aidé. Et ensuite, avec le cirque, de façon générale, j'ai effectivement énormément. Voilà, j'ai fait globalement toute l'Asie, la Russie, enfin, l'Amérique du Sud. Ça a été, oui, un tour du monde qui a duré pendant près de 2 ans. Ouais. Donc, oui, ça a fait voir du monde. Ok, donc du coup, t'as bougé pendant 2 ans, et donc ça, c'était avec le cirque, c'était pas avec, avec le moulin, et t'as un petit peu visité le monde à ce moment-là. Et c'est comme ça après que tu t'es fait. C'est comme ça après que tu t'es fait repérer, Que je me suis repérée, c'est-à-dire. que t'as pu postuler et finir au moulin, en fait, après la partie cirque. Alors, pas vraiment. En fait, j'étais toujours au cirque. Quand j'étais repérée, j'étais à Monte-Carlo, au festival du cirque. Et j'étais donc avec Stéphanie de Monaco, qui était là, qui est vraiment très, très impliquée au niveau du cirque. Et en fait, bon, bah, j'avais mon ex, hein, qui était là-bas, qui avait un numéro avec sa sœur, qui du coup était récompensée ce soir-là. On a discuté et lui donc était déjà au moulin. Je donnerai pas son nom parce que Bien je sûr. voudrais pas lui poser de problème aujourd'hui dans la mesure où il est en couple, c'est un peu compliqué. Mais du coup voilà, c'est grâce à lui que j'ai pu rentrer 6 mois. Ok, ça marche. C'est cool, c'est cool. Et donc, tu as démarré très jeune, cette activité-là. En fait, tu étais déjà professionnel avant d'être majeur, si j'ai compris. Ouais, c'est ça. Enfin, alors, oui, non, disons que j'ai commencé la danse classique, j'avais 4 ans. Donc, ça a aidé à ce que je devienne souple. Et ensuite, j'ai fait de la danse latine et qu'on appelle les danses sportives, donc latine et standard, qui m'ont aidé à devenir assez souple, évidemment. J'étais championne de France en junior et après en adulte. Et ça m'a donné une certaine souplesse. Donc, j'ai rencontré, en fait, à la base, j'avais envie de faire du cirque. Ça fait longtemps que ça me travaillait. Depuis que j'étais petite, mon grand-père m'emmenait au cirque, donc Charlotte Gosse notamment. Et voilà, moi, ça me faisait rêver. C'était vraiment pas le petit cirque de quartier. C'était vraiment l'immense cirque avec tous les moyens pour faire rêver un gosse ou un adulte, finalement. Moi, Puis même lui, tu j'ai vois, fait il m'a Pinder. emmené jusqu'à ses 65 ans. Ah oui. Voilà. Non, mais Pinder est très bien. Et puis, c'est pas du tout pour critiquer ou quoi. Hein. Je sais pas du tout, je Il y a connais pas vraiment, vraiment enfin, les pour références, connaître mais beaucoup les dirigeants, c'est son problème. Tu vois. Non, 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 ça reste des gens très bien qui travaillent beaucoup. Donc, c'est un milieu qui est assez difficile, parce qu'il y a beaucoup de concurrence. C'est pas une vie stable, une vie classique. Donc, bon, je ne me permettrai pas d'émettre un jugement sur qui que ce soit dans ce milieu-là. Bien sûr. Mais donc, voilà, à la base, c'est vrai que quand mon grand-père m'emmenait, je me disais, OK, waouh, ça me fait rêver. Et à 8 ans, hein, je lui avais dit, un peu sur le ton de la blague, mais je vais dire, moi aussi, un jour, je ferai ça. Et bon, bah, la vie a fait que j'ai fini par le faire. Alors que j'étais pas du tout de circassien, je ne suis pas une enfant de la balle, hein, comme on dit. Donc, c'est un peu le hasard qui m'a mené là, finalement. Ouais. Alors, explique-nous un petit peu maintenant au niveau sportif ce que ça implique, comment tu as dû t'entraîner pour faire ce métier, comment tu as pu t'améliorer, quels sont les préparatifs, tout ce qu'il y a dans la journée d'athlète du cirque en fait au final. Alors, ça a été, on va dire, un petit peu plus dur pour moi que pour les autres, parce que, comme je dis, je ne viens pas du tout de ce milieu-là. Donc déjà, il a fallu préparer psychologiquement un peu le terrain au niveau de mes parents, de ma famille, de mes amis aussi du lycée à l'époque. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais.
J'avais un coach russe, du coup, qui Ouais. s'appelle Igor, je suis toujours en contact, qui Ok. était un excellent coach, hein, qui est toujours un excellent coach, mais qui était très très rude dans ses méthodes, qui m'a fait devenir très très souple en très peu de temps finalement, puisqu'il a fallu à peine 3 mois et demi, 4 mois pour que j'atteigne la souplesse demandée, mais avec des méthodes qui étaient, avec le recul, absolument pas saines. C'était un peu, tu vois, comme dans le fitness, hein, la course, là, je veux perdre du poids vite, je veux vite, vite perdre du poids, et donc parfois, ben, en voulant aller trop vite, tu fais un peu de la merde. Et c'est ce qui s'est passé avec moi. Alors, j'ai eu la chance de ne pas me blesser à cette époque-là, mais j'aurais pu. Parce que, ben, par exemple, pour avoir donc, un grand écart dans les airs, entre guillemets, donc, il me faisait faire le piqué, il m'attrapait les jambes, il mettait un élastique, et au bout, il lâchait un poids. Donc, un poids de musculation entre 8 et 12 kilos, et il lâchait, et je devais tenir comme ça pour que mon écart tienne, quoi. Donc Donc, en fait, toi, tu étais c'est pas la méthode. techniquement... Waouh. Et donc techniquement, tu étais en l'air en fait à ce moment-là. J'ai vu... T'es sur les mains et t'as les jambes en écart. Ah ouais, d'accord. Sur Insta, j'ai vu un TikTok réel il y a genre 1 ou 2 jours. Et en fait, c'est pareil, c'est en Russie pour la gymnastique. C'est un gars, il est tenu par les mains à chaque extrémité avec des élastiques et des poids au bout. Donc il est en l'air à ce moment-là en mode Spider-Man et les jambes pareilles. Et en fait, il lui étire chaque membre en mode étoile de mer avec des poids qui sont lâchés au fur et à mesure des semaines. Et genre, il améliore au fur et à mesure son élasticité. Ça a l'air, j'ai l'impression de voir une vidéo de torture romaine. Ok. Et ça a bien fonctionné. C'est hyper barbare. Ça fonctionne, évidemment que ça fonctionne, oui, mais à quel prix derrière? Ouais. Enfin, du coup, c'est des athlètes qui vont avoir une carrière qui va s'arrêter très tôt, très jeune, qui va être intense, mais qui va être très rapide parce que c'est pas humain. C'est Bien pas sûr, du sûr. tout la méthode conventionnelle pour devenir souple. Sur le court terme, ok, sur le long terme, c'est destructeur et c'est franchement pas la bonne idée. Ne le faites pas chez vous. Non, en vrai, déjà, il faut avoir pas mal Je n'ai d'équipement, pas je pense. ça Ouais, t'imagines, c'est terrible. Ouais, je pense que tu te casses les hanches là. Et Bah, ouais, deux c'est élastiques et incroyable. des poids, hein, ça, en vrai, c'est pas si. Avec des méthodes assez faciles. Ouais. Bah, incite pas les gens à le Mais oui, faire. faut éviter de le faire. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Non, ça va. La moyenne d'âge du podcast est quand même assez élevée. On n'a pas d'enfants qui écoutent, ça devrait aller. Mais on ne sait jamais, ne le faites pas chez vous. Il y a d'autres moyens pour devenir un petit peu plus souple. Ça prendra plus de temps, mais ce sera plus efficace. Ok. Et donc, ça, c'était surtout des étirements que tu faisais sur ces entraînements-là. Ouais, c'était essentiellement ça, hein, des étirements, beaucoup, beaucoup d'étirements, des écarts qui sont devenus très profonds très rapidement. Donc, on commence avec un grand écart classique que j'avais depuis des années, évidemment, puisque bah, la danse m'avait quand même rendu souple, hein. Voilà, on partait pas de quelqu'un qui était raide. Donc, déjà, ça, j'avais quand même une base assez cool. Donc, ça a aidé bien. C'est nécessaire. Je pense que sinon, t'as aucune Et chance. puis ben très rapidement en fait sous mon talon. Et puis ben c'était pas normalement t'es pas censé augmenter à chaque séance. Si tu es sur quelque chose de raisonnable, tu augmentes toutes les 2 semaines. Tu as rajouté une petite épaisseur sur la brique et puis une deuxième. Et tu fais ça à peu près toutes les 2 3 semaines en fonction de l'âge, de la capacité de la personne. Ça dépend de beaucoup, beaucoup de choses aussi. Mais t'évites de passer. Moi, je passais d'une brique à une deuxième brique en même pas 2 semaines. C'était carrément trop. Ok, C'était carrément ok. Ouais, bah trop. c'est... En fait, J'étais trop ça... creusée jusqu'à ce que j'arrive à mettre ma jambe quasiment à 90 degrés. Oh, d'accord. Ok, ça marche. J'ai les images, c'est propre. En fait, c'est marrant parce que ça ressemble un peu au principe de surcharge progressive en musculation. Je sais pas si tu vois ce que c'est, mais la surcharge progressive, c'est l'idée d'augmenter ses capacités sur les exercices au fur et à mesure, donc d'être meilleur au fur et à mesure des séances. Sur les exos en question. Alors ici, comme tu le dis, si possible, il faut que ça prenne plus de temps, mais en fait, au final, c'est à peu près la même chose. À côté du... Après, je pense qu'à l'inverse, j'ai rajouté 1 kilo de plus qu'il y a 2 semaines, mais j'y arrive. Enfin, ça ne me dérange pas de le faire, j'arrive à soulever et je ne suis pas écroulée, un peu au marché ni rien à la fin de ma séance, quoi. Alors que malheureusement, ben là, moi, dans la contorsion, ce n'était pas moi qui gérais. Donc je ne pouvais pas, même si ça me faisait mal, en fait, c'était pas grave, on continue, il faut que tu sois souple, donc on continue, quoi. Bah oui, c'est ça. Ça, Igor, il était content. Ça... Moi, vachement moins. Ouais, tu m'étonnes. Bah, c'est son métier après, il doit te préparer. Et puis j'imagine que les week-ends, t'avais des représentations, des choses comme ça à tenir aussi.
Et à ce moment-là, comment ça se passait au niveau de la diète? Parce que du coup, c'était le coach Igor qui te préparait une diète particulière, ou alors c'était tu fais ce que tu veux parce que de toute façon, tu as tellement de dépenses que ça passe, ou peut-être que tu faisais ce que tu voulais, mais à côté, tu avais beaucoup de cardio à assumer, un truc du genre? Alors, pas du tout. J'avais pas de diète spéciale. Enfin, lui s'en occupait pas. L'idée, c'était juste évidemment que je mange relativement clean. On évitait les McDo tous les 2 jours. J'ai jamais bu d'alcool, donc ça posait pas de problème. Mais quand il y avait des soirées avec les copains, évidemment, c'était alcool interdit. J'ai jamais fumé non plus, donc ça n'a pas posé de problème. Mais en gros, voilà, il fallait que globalement, j'ai quand même une routine, une hygiène de vie qui soit à peu près normale. Après, je mangeais, honnêtement, je mangeais pas plus, pas moins. Je pense que c'était à peu près stable. Je mangeais un peu de tout, mais en quantité raisonnable. Je me faisais plaisir de temps en temps quand même, le week-end ou quoi, avec les copains. Mais effectivement, sur la semaine, j'ai dépensé beaucoup, beaucoup. Donc, ça passait à l'heure. C'est marqué dans le contrat, donc des danseuses et des artistes comme moi ou les artistes qui vont faire de l'aérien, on a une marge de plus ou moins de 2 kilos. Ok. Donc, quand on arrive à un certain poids, je sais pas, admettons, tu fais 1,70 m, tu fais 60 kilos par exemple, tu n'as pas le droit de faire moins de 58 ou plus de 60. Ok. C'était ma question suivante. Donc, tu l'as anticipé. C'était en fait ma question, c'était est-ce que tu as des obligations sur le contrat autour du poids, peut-être de l'alcool, les drogues, des choses comme ça, des choses qui sont complètement interdites? Ouais, alors moi je te dis de toute façon j'en consommais pas, donc il n'y avait pas de souci au fait de coupure ça. Enfin, c'était pas gênant pour moi puisque j'en prends pas. Mais c'est un peu compliqué pour certains, notamment enfin, l'alcool, c'est vraiment en soirée, qui devait se limiter, etc. Il y en a qui utilisaient l'alcool comme moyen de redescente, en fait. Hein. C'est vrai que quand tu as des semaines un peu crevantes, bah, le week-end, tu aimes bien décompresser et pas finir mort bourré non plus, mais être quand même bien. Au moulin, c'était vraiment le truc à éviter, et les danseuses hein, sont dans le même cas largement, donc non, c'est le truc à éviter. Mais moi, j'avais pas de soucis de ce côté-là, franchement. C'est un rythme de vie intense, pas facile à tenir. Ouais, c'est compliqué parfois quand tu es jeune. Ouais, c'est en fait, tu es mis dans une discipline qui est assez rude, on t'en demande beaucoup. Et en même temps, on te fait aussi comprendre que si toi, tu ne fais pas ce job-là, bah, il y a quelqu'un du même âge qui prendra ta place. Tu n'es Ouais. clairement pas irremplaçable. Il y a des gens qui font la queue pour rentrer au moulin ou dans le cirque ou dans plein de domaines. Et donc, bah, si tu veux rester ici, bah, fais ce qu'il faut. Ouais, Voilà. tu C'est m'étonnes. très rude sur ce côté-là. C'est très, très rude. Mais bon, après, tu le sais en acceptant le truc. Et très sincèrement, moi, ce n'est pas quelque chose qui m'a dérangé. Je savais que j'avais envie de faire ça et donc bah, je m'y suis tenue. Je m'y suis tenue et j'ai aucun regret et j'ai jamais eu aucune animosité envers qui que ce soit vis-à-vis de ces questions-là. Je savais que ça faisait partie de s'impliquer et c'est normal hein, finalement parce que les gens, quand ils payent leur place au moulin, c'est pas pour venir voir quelqu'un qui va se planter. Voilà, tout est calé au millimètre donc toi, tu es là pour assurer le job. Ouais, c'est ça. Et c'est que ça reste quand même un métier à risque, dans le sens où t'as pas de protection, parce que c'est ça qui fait la beauté du spectacle. Ouais, c'est ça. C'est Et ça. Après, moi, je ne suis pas dans les airs, tu vois, j'étais contorsionniste, je suis au sol. Donc, je ne prenais pas trop de risques, entre guillemets. C'est vrai qu'au moulin, il n'y en avait pas, hein, mais je veux dire, dans les métiers aériens, au cirque notamment, ou sur d'autres numéros, ça peut être effectivement beaucoup plus compliqué. Et malheureusement, oui, ben là, y a pas... ça peut te stopper net, quoi. C'est vraiment la chute qui peut te faire perdre absolument toute ta carrière et même si j'imagine littéralement que. ta vie, hein, dans mon cas, c'est ce qui s'est passé. J'imagine, mais je suis pas certain que sur certains types d'accidents, tu as une couverture. Je suis pas certain, mais. Alors, on a des assurances sur le papier, mais en réalité, le jour où il y a un accident, je pense que c'est comme toutes les assurances, t'es seul en fait. T'es C'est clair. assez seul et tu débrouilles quoi. Tu débrouilles comme tu peux. Et bon, ils savent aussi, hein, et c'est pour ça qu'on est très très bien payé. Enfin, en tout cas, moi, j'étais très très bien payé parce qu'ils savent qu'effectivement, ben, tu as un peu la prime, t'as une prime de risque entre guillemets qui est Ouais. comprise dans ton salaire. Et donc, les assurances coûtent un bras en cas d'accident. Donc forcément, ben, on fait un peu gaffe, tu vois. On prend soin des poneys, quoi. Ouais, Mais tu m'étonnes. fais attention.
Et donc, est-ce que donc c'était à l'occasion de vacances? Comment ça s'est passé cet accident? Si tu peux nous expliquer le bouleversement, la chose qui a changé cette carrière en cours. Changer ma vie. Ouais. Tout simplement, j'étais en vacances. C'est rare, hein, parce qu'il faut savoir qu'au Moulin, on bosse du lundi au dimanche. On n'a pas de jour de repos et on a 3 shows par jour. Donc c'était Ah rare que ouais, déjà j'ai des d'accord. vacances. Et donc ça a été une rare fois, ouais, une des rares fois où j'en ai pris. Et donc je suis partie à Bali avec des amis de chez moi, du Pays Basque. Et on est parti à Bali, donc on était 7. Et on est parti surfer. Bon, moi, je surfe depuis que je suis une gamine. Hein. J'ai toujours surfé. Mon père surfe, ma mère surfe, il n'y a pas de souci. Et en fait, bah, tout bêtement, j'ai pris une sale vague à Bali. Donc, ça faisait 2 jours qu'on est arrivé. On est parti surfer tout de suite. J'ai pris une sale vague qui m'a mise bien, bien mal. Mais je suis partie vraiment à l'arrière. Donc, j'ai fait machine à laver hein, pour les surfeurs présents. C'était assez profond, donc j'ai mis du temps à remonter à la surface. Et en fait, j'ai à peine eu le temps de reprendre bah, une bouffée d'air qu'il y a une autre vague qui m'est tombée sur la gueule. Et donc, elle m'a renvoyée sous l'eau. Et en fait, là, bah, je suis tombée inconsciente. Donc, c'est un ami, moi, Diego. Je l'ai juste entendu hurler mon nom. Enfin, juste au moment où j'ai pris ma bouffée, je l'ai entendu hurler mon nom et plus rien. Plus rien du tout. Et je me suis réveillée à l'hôpital sans avoir conscience de rien, en fait, hein, de là où j'étais, de ce qui s'était passé. J'ai eu aucun souvenir. Et j'ai appris donc par la suite que j'avais été rapatriée de Bali à Bordeaux et qu'il y avait en réalité 1 mois et demi Ah oui. qui s'était écoulé. Donc c'était quand même assez long. Un mois et demi de coma, hein, finalement. Et donc, bah, j'ai eu un trauma crânien, on commence par la tête. J'ai eu un gros trauma crânien, j'ai eu la clavicule gauche cassée, j'ai eu le bras droit cassé, j'ai eu le genou gauche, donc les croisés et le ménisque interne qui ont littéralement explosé. Et ça a été ça, hein, le départ de tout, le genou. J'ai eu 4 côtes cassées. Et donc, bah, ça a été, oui, le point de chute, l'arrêt un peu de ma vie. Clairement, et puis j'avais pas de souvenir en plus de l'accident, je me souvenais même pas d'être partie à Bali, j'avais pas du tout le souvenir d'être partie à Bali, donc c'était très très flou. Et il a fallu à peu près 3 semaines, 1 mois avant que les souvenirs commencent petit à petit à réapparaître, mais je suis restée dans le flou pendant un bon moment avant D'émerger, de te rappeler ce qui s'était passé, où t'étais, comprendre quoi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Bah déjà, le simple fait, enfin, je n'ai même pas réalisé que moi j'étais à Bordeaux, si tu veux. Ouais. Enfin, je ne savais absolument pas où j'étais, je ne comprenais pas. Et en fait, le dernier souvenir que j'avais, il datait de Bordeaux. C'est-à-dire que pour moi, je crois que ça datait à peu près de 3-4 jours avant l'accident, en fait. Ouais. Donc pour moi, c'était, bon, bah, j'ai dû avoir un accident à Bordeaux. Peut-être, je sais pas, je m'accartonnais en voiture, j'en sais rien en fait. Tu te réveilles, tu es complètement dans le flou, donc tu t'envisages un peu toutes les hypothèses. Et je me souviens même pas d'être partie à Bali, quoi. Incroyable. Donc non, il a fallu, ouais, du temps avant que ça revienne en étant assez net, assez précis. Enfin, on arrive à logiquement. Fou, c'est que tu faisais quand même un métier avec, alors même si tu l'as expliqué, en fait, contorsionniste, t'es au sol, mais t'as quand même les risques sur les articulations musculaires, etc. T'as rien eu avec cette activité-là. Par contre, t'as été faire du surf dans une zone un petit peu à risque, parce qu'il y a le récif et tout ça. Et étant donné que t'as loupé une vague, t'as risqué la mort, en fait, on peut le dire. Ouais, ah bah oui, clairement, clairement. Aujourd'hui, est-ce que tu co comment t'envisages la chose? Enfin, j'imagine que, enfin, nous on en a parlé pe personnellement, mais ça a changé ta vie, ça t'a demandé de tout changer de métier. Est-ce que aujourd'hui, tu t'imagines être toujours là-bas ou être toujours en activité?
Jamais c'était pas arrivé. Du coup, comme tu l'as dit tout à l'heure, te mettre à la musculation, commencer à prendre soin de tes groupes musculaires, étant donné que les articulations sont impactées, ça demande forcément une sorte de pansement sur les zones. Est-ce que aujourd'hui, si ça, c'est ça, à cet événement n'était pas arrivé, comment tu verrais les choses? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui tu ferais toujours ce métier? Est-ce que c'est quelque chose que tu te voyais faire pendant toute ta vie? Alors, honnêtement, oui. Enfin, toute ma vie. Suffisamment longtemps, en tout cas, parce qu'une fois encore, je ne sais pas si on peut donner les chiffres ou pas, le salaire de l'époque ou pas, ça peut Ouais, aider peut-être. tu peux. À l'époque, je gagnais 13 000 euros par mois, au moulin. Donc, forcément, quand tu te dis, bah, je vais faire ça jusqu'à mes. Tu peux aller jusqu'à 35-40 ans, à peu près. Bon, je te dis à 13 000 euros par mois, même si les impôts français m'en prennent la moitié. Tu as quand même de quoi faire, tu peux investir, Vas-y, tu peux Igor, t'en pète-moi les sortir. épaules. tu peux investir, tu peux t'en sortir malgré tout. Parce qu'évidemment, ça reste un salaire largement confortable, même si on te prend la moitié. Donc oui, je m'imaginais le faire. Je me suis dit, OK, bah, à 40 ans, j'arrête ma carrière. J'ai investi un peu à droite à gauche. Et puis, je sais pas, je profite de la vie après. Je me fais le mariage de mes rêves, je fais des. Enfin, moi, j'ai plein d'enfants, donc je me suis dit, c'est bon, je reste sur ce plan-là et puis tout va bien, quoi. Et évidemment, cet accident, ça te fait absolument tout reconsidérer, tout, tout, tout. J'ai dû tout revoir, j'ai dû bah, déménager, donc je suis rentrée chez mes parents. J'avais quitté donc les études, hein. Enfin, j'avais juste mon bac, hein, un bac S au spémat. J'avais rien d'autre à ce moment-là. J'avais arrêté les études complètement. Parce que j'avais dit à papa et maman, allez, je me casse, j'arrête les cours, je pars faire le cirque et le tour du monde, tu vois. Ouais. Donc déjà, bon, déjà Ouais. c'était pas fou, tu vois, sur le papier, Ouais. bon. Et puis bah oui, là du coup il a fallu accepter déjà la rééducation, ça a été la première vraiment plus grosse partie à accepter, c'est-à-dire qu'on te dit bah, tu pars pour à peu près un an et demi de récup vraiment pleine, hein, puisque du coup j'étais à l'hôpital, j'avais des rendez-vous hyper hyper régulièrement, j'étais à 3 séances voire 4 séances de kiné par semaine, enfin ça a été long, quoi. Ça a été long, c'était pénible, j'avais pas envie. J'avais honnêtement absolument pas envie, hein. Je boudais pour pas faire les séances. Je voulais pas, et c'était très pénible parce que, alors, avec le recul, je le comprends. Hein. Vous comprendre que j'avais 20 ans, à l'époque, plein de 20 ans. Donc, c'était un peu compliqué. Super Mais, jeune. bah ouais, à l'époque, oui. Donc, à l'époque, j'ai l'impression d'avoir 50 ans maintenant, tu sais. Mais disons que oui, encore plus à l'époque, tu te dis, bon, bah, tu viens d'avoir cet accident, ta vie, elle est ruinée. Très sincèrement, à cette époque-là, quand j'ai su la réduc qu'il allait avoir derrière, etc., je me suis dit, mais en fait, j'aurais préféré mourir. J'aurais vraiment préféré que tout s'arrête et qu'au moins, on n'en parle plus. Parce que là, je me suis dit, mais je vais faire quoi? Je vais plus travailler, je vais plus bouger, je vais plus. J'ai dû déménager, forcément, bon, bah, ça a causé des petites tensions avec mon ex qui était au moulin, donc on a fini par séparer. Donc en fait, toute ta vie, elle est impactée, ton couple, ton histoire, ton trajet personnel, ta vie, ton métier, enfin, il y a tout. Tout Ouais, qui s'arrête en fait d'un coup, du jour au lendemain, on c'est pas t'enlève une tout. page qui se tourne, c'est le livre qui s'arrête et tu changes de livre. Et c'est ça. Et je pense que quand tu as la maturité et l'âge, tu peux peut-être le prendre sous un autre angle. La preuve, aujourd'hui, je le prends différemment. Mais à l'époque, je me suis dit, mais j'avais dit au chirurgien, mais laissez-moi crever. Enfin, honnêtement, je lui avais dit, laissez-moi crever, on n'en parle plus, parce que je ne vais pas tenir une vie comme ça. Parce qu'en plus, c'était les débuts, donc j'avais des bandages partout, j'avais mal. Le simple fait de tousser quand tu as 4 côtes cassées, c'est une horreur, c'est atroce. Tu as l'impression qu'on est en train de te gratter avec une petite cuillère au niveau des côtes, enfin, c'est Ouais, hyper désagréable. Donc j'avais pas envie et j'ai été entourée d'une super équipe à Pellegrin, à Bordeaux, incroyable, qui m'a soutenue comme jamais et qui, dès le départ, eux étaient en mode, mais non, allez, il faut pas perdre de temps, il faut que tu te remettes, il faut y arriver, il faut y aller, il faut faire ci, il faut faire ça. Et à cette époque, j'avais juste envie de bouder, en fait, et qu'on me laisse peut-être un peu le temps de dire, bon, bah, ok, c'est fini, et après, on peut passer à autre chose. Mais là, c'était très brutal. Ça a été vraiment juste après mon réveil, quasiment. Il y a eu très peu de temps qui s'est écoulé entre enfin, ma première séance de kiné et le réveil. Et à ce moment-là, j'avais pas envie, quoi. J'avais pas envie, en fait, qu'on me fasse bosser. J'avais pas envie qu'on me fasse essayer de marcher. J'avais pas envie qu'on essaye de me faire accepter la situation. J'avais horreur. Je crois que la pire phrase qu'on a pu me répéter, et Dieu sait que je l'ai entendue, c'est « Ah oui, mais au moins, t'as de la chance, t'es en vie.
Ouais. Mais non, mais elle est où la chance? Je peux rien faire, j'ai perdu mon boulot, j'ai pas d'études, j'ai rien, j'ai perdu mon mec. Enfin, en quoi je vais bien, tu vois? En quoi Oui, c'était oui. mieux que mourir sur le coup? C'est pas vrai. Je pense qu'on peut tous faire, on peut tous faire la parallèle et faire comprendre ça aux gens avec un fait très simple. Si vous avez déjà connu une blessure assez importante et que ça vous a fait arrêter le sport ou que ça vous a fait arrêter quelque chose en particulier, vous étiez déjà en... Enfin, tout le monde est comme ça en vrai. Vous avez une pire blessure, vous arrêtez le sport ou quoi, en général, vous êtes fait chier, je pourrais plus jamais faire ci, nanana, je suis au bout du rouleau. Mais imaginez si ça implique toute votre vie, c'est-à-dire votre métier. Votre vie de couple, votre vie sociale, votre avenir, j'imagine que oui, t'es complètement dévasté, quoi. C'est ça, et ça a été la, je pense, enfin, même si physiquement c'était évidemment très compliqué, et j'en garde encore des séquelles, hein, donc globalement c'est le genou, hein, comme je disais tout à l'heure, qui a été le plus gros point noir en fait, et qui me pourrit encore pas mal la vie aujourd'hui. Ouais. Ça a été vraiment ça, donc déjà tu as l'impact psycho, plus après tous les jours, là le genou qui me rappelle que ben, ma vie elle sera plus jamais ce qu'elle était. Et c'est ça, c'est oui, c'est compliqué. C'est compliqué quand t'as 20 ans, c'est compliqué de l'intégrer et d'accepter en fait simplement. Il y en a qui ont la force et je les admire pour ça, hein, parce que j'étais avec des gens qui avaient eu des accidents au moins aussi graves que le mien, voire pire, et qui eux prenaient le truc avec le sourire, qui étaient qui voyaient ça comme une opportunité. Et moi, j'y arrivais pas, du coup, je culpabilisais encore plus. Donc psychologiquement, tu t'enfermes aussi dans un peu une cage où t'es un peu tout seul, où c'est compliqué. Pendant un temps, c'est compliqué. Et après, tu te mets le coup de pied aux fesses parce que tu te dis, bon, bah, de toute façon, c'est fait, c'est fait. On ne reviendra pas en arrière de toute façon. Donc, effectivement, bon, bah, je suis en vie. J'ai quand même des gens autour de moi que j'aime et je pense qu'ils m'aiment un peu. Donc, forcément, bah, tu as envie Mais pour eux oui. d'avancer. Oui, je parle pour toi, ça va. Et comment t'as vu les choses après? Ça a été quoi un peu ton moteur? Je crois que sincèrement, ça a été ma famille, vraiment. Ma famille qui était beaucoup beaucoup derrière moi, et quand j'ai dit à ma mère que j'aurais préféré mourir, j'ai vu à quel point ça l'a brisée, quoi. Elle a pris une claque et elle me dit, mais je peux pas imaginer ma vie sans ma fille. Donc elle me dit, non, je veux plus entendre ça. Et en voyant en fait l'impact que ça avait eu sur elle, je me suis dit, ok, je peux pas lui faire ça, c'est ma mère. Et effectivement, je peux pas, hein, juste par égoïsme en fait, dire bon bah ok, moi j'ai eu mon petit accident, ça a bouleversé ma petite vie peinarde, et donc bah, je prends trois cachets, je m'endors et je me réveille plus, parce que derrière il y a des gens aussi, et c'est pas du tout pour juger là encore, hein, les gens qui arrivent, qui se suicident ou quoi, parce que parfois tu es dans une souffrance telle qu'il n'y a rien qui peut l'empêcher, et c'est pas du tout égoïste. Mais là dans mon cas c'était que ça, sincèrement, c'était, il y avait une douleur certes, mais c'était purement égoïste. Et c'était vraiment un choix de petite fille gâtée qui voyait pas plus loin que le bout de son nez, comme beaucoup de gamines à 20 ans, hein, j'imagine. Mais du coup, je sais que ça aurait été la mauvaise décision à l'époque. À un moment donné, j'imagine que ce qui a pris le relais après la famille, c'était ton avenir, c'est-à-dire j'ai envie de faire quelque chose du reste de ma vie et j'ai pas envie de glander ou j'ai pas envie de devenir rien. Surtout que enfin, à ce moment-là, tu étais très jeune, et tu l'es toujours, mais du coup, ça a dû. Alors, pour l'anecdote, quand j'ai rencontré Léa Rose, elle m'a demandé son âge. Et en fait, étant donné le bagage que je connais, qu'elle vient de vous raconter, tout ce bagage-là, moi, je m'imaginais qu'elle avait, mais genre, une vie derrière elle, quoi. Je me disais, mais ok, elle paraît pas vieille, mais putain, mais si elle a tout ça derrière elle, elle doit avoir 30 ans. Bah non, pas forcément. En fait, c'est ça, t'as démarré une vie dynamique et très pleine, on peut le dire, t'as connu une vie pleine extrêmement jeune. Ouais, c'est ça. Et en très peu de temps, finalement. En très peu de temps, puisque ça a duré 2 ans et demi. Donc, finalement, ça a été effectivement une durée assez courte ou longue. Hein. Je sais pas, si à l'échelle d'une vie, c'est pas grand-chose, 2 ans et demi. Mais pour un jeune de 20 ans, à cette époque, oui, c'est beaucoup. C'est déjà énorme. C'est clair. Je vois un parallèle très proche, c'est Maxime, il a cet âge-là. Bon, lui, il a 21 ans maintenant cette année. Mais sa vie, elle a été complètement changée. Il est étudiant et le gars, il travaille à côté de ses études tout le reste du temps, les week-ends, le soir, etc. Il tient plusieurs activités. C'est un peu ce type de profil-là, extrêmement jeune et talentueux aussi. Hein. Vous l'êtes tous les deux. Mais du coup.
Quand t'as connu ça a été la descente, en fait, au final, vu que t'étais jeune et pas, t'avais pas forcément le recul de la vie ou que t'avais goûté à tout ça, en fait. En fait, quand on goûte un petit peu à toutes ces choses, c'est très dur de redescendre sur Terre si ça s'arrête. Moi, je pense, j'ai pas le même parallèle, mais quand je me suis blessé au genou et que je commençais à être bon dans d'autres sports, j'étais dégoûté. Bon, toi, t'as quand même le genou brisé, c'est une autre situation. T'as pas des fissures, il est brisé, c'est incroyable. Ouais. Et je pense qu'aujourd'hui, par exemple, moi, j'aurais un accident. Un énorme accident, je sais pas, sur le haut du corps, le bas du corps, qui ferait que j'aurais pas du tout la même pratique de la musculation. Alors on va vraiment parler d'un gros accident, parce que si j'avais, je sais rien, moi, un petit problème au coude, à l'épaule, ou juste une petite articulation comme ça, une micro-fissure, non, je vais pas en faire tout à foin, je vais m'adapter, c'est mon métier. Je pense que si, admettons, je sais pas, j'avais un accident dans la rue, je me faisais découper les jambes, ça me bouleverserait énormément, en tout cas. Ça changerait énormément mon métier. Et l'image, c'est triste à dire, mais franchement, les gens sont extrêmement attachés à l'image qu'ils ont des personnes qu'ils écoutent. Comme les personnes qui écoutent ce podcast, souvent, ils sont attachés à l'image qu'ils ont, par exemple, de mes séances jambes. Ça les intéresse énormément parce que voilà, j'ai des grosses jambes, etc. Si j'avais pas ça, je pense que mon métier serait différent, clairement. Du coup, toi aujourd'hui, tout le reste, t'as pu bien récupérer? Parce qu'au final, c'était des fissures, c'était pas brisé les autres parties osseuses. J'avais le bras cassé, mais enfin rien de terrible, hein. C'était un bras cassé. Les côtes, ça a mis un peu de temps quand même. Ça a mis pas mal de temps, mais ça va. Il n'y a pas de souci. Puis je te dis, j'ai eu beaucoup de repos, beaucoup de soins à l'hôpital aussi, donc ça a été. Aujourd'hui, vraiment, non, le seul point, c'est mon genou. Clairement, c'est mon genou. Et puis bon, bah, les chevilles qui ont tendance à être un peu faibles, hein, depuis tout ça. Donc j'essaye de travailler dessus, reprendre la danse quand je peux, quand c'est possible. Mais le genou, ça reste vraiment la bête noire. Et tu sais, souvent, c'est marrant parce qu'il y a plein de gens, quand on leur dit, je sais pas, si là, il y avait un petit génie qui apparaissait, qu'est-ce que tu lui demanderais? Et systématiquement, ma première réponse, avant même de me dire, bah, je voudrais manger des pizzas sans prendre un gramme, c'est, je voudrais avoir un Carl. genou qui marche, tu vois. Je voudrais avoir un genou comme avant, en fait. Je voudrais retrouver un corps normal et plus sentir la douleur et plus en fait avoir de risque même de me recasser un truc, tu vois. Bah oui. Ce serait le rêve idéal, tu vois. Mais OK. bon, je pense pas qu'il y ait de petits génies qui viennent me demander ça, donc je fais avec. On a pu parler de mon expérience avec le genou et de l'expérience que j'ai en tant que coach avec ce type de blessure, qui est devenue une de mes spécialités de genou, je crois. Est-ce que ça t'a fait un petit peu réfléchir ou pas? Est-ce que tu penses que maintenant, travailler autour de cette articulation et changer ton quotidien, ne plus avoir mal, parce que vraiment, tu pourrais littéralement changer les choses là-dessus, ça t'a fait réfléchir? Est-ce que... Oui, quand Pas même. encore assez. Il y a Oui, encore trop de mousse au chocolat au frigo. je crois déjà. Non, non, en réalité, Je vais venir aujourd'hui, à bah, finir. justement, non, mais tu sais que du coup, effectivement, c'est lié aujourd'hui, enfin, le fait que du coup, cet accident, il y a eu toutes les contraintes autour, il y a eu donc une reprise d'études pas évidente. Et donc, c'est aujourd'hui, ça me prend un temps assez dingue. Et j'essaye du coup de focus sur ça, parce que du coup, bah, j'ai pris du retard par rapport aux gens qui, à l'inverse de moi, avaient passé, tu vois, le bac direct, t'es parti dans les études. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je mets l'accent sur ça. Je sais que là, tu vois, enfin, on en a parlé, hein, tu sais que ça va être une année un peu compliquée pour moi. Après, je me dis, j'aurai plus de temps. Et oui, j'aimerais évidemment m'y remettre et me dire que j'aurai plus mal au genou, qu'un jour c'est possible, que j'ai plus du tout aucune douleur, que je puisse marcher comme je le faisais pendant des heures et des heures. Aller faire des randonnées, moi qui adorais ça, aujourd'hui, au bout d'une heure, je suis assise par terre à pleurer et j'attends qu'on vienne me chercher, quoi. Donc, c'est pas viable. Donc, oui, évidemment, j'aimerais pouvoir travailler correctement autour de ça. Il va falloir que je le fasse dès que vraiment le temps me permettra plus. Oui, c'est au programme. Déjà, si tu pouvais remarcher correctement et pouvoir te mouvoir, faire une activité sans avoir de problème, ça serait déjà vraiment pas mal. Après, si vraiment le genou il est en 1000 morceaux, bah, la rando, honnêtement, ça va être compliqué. Hein. Enfin, surtout certaines randos, même avec la meilleure récup possible, il y a des mouvements que tu pourras plus jamais faire. Il y a tout ce qui est saut, je pense que si tu veux te remettre à la corde à sauter, tu vas douiller sa mère. Ça va être très compliqué. J'ai essayé, tu sais, j'ai essayé un petit peu.
Me demande même plus pourquoi. Est-ce que ça a été une soudaine prise de conscience vis-à-vis du sport? Je sais pas. Je sais pas, ça m'a pris un beau matin, j'ai acheté une corde à sauter. Et étonnamment, les sauts, ça va. D'accord, ok. Je te dis pas que c'est archi stable et tout, hein, mais ça va. Parce que justement, même en kiné, on me faisait faire beaucoup de sauts sur du trampoline, tu vois, et travailler la proprio, en fait, hein, sur Bosu, sur tous les trucs instables possibles. Donc, en réalité, ça va. C'est pas le truc non plus. Je te dis hyper stable, c'est pas droit, hein, mais ça tient. La Donc, meuf, déjà, c'est. elle a plus de récepteurs, elle sent plus rien. Non, à l'arrivée, ça va, ça va. Mais c'est vrai que ça a été un peu laborieux quand même, hein. Il a fallu un peu de temps, mais ça va. D'accord. C'est pas complètement mort de ce côté. Bon, bah nickel, tu vas pouvoir te mettre au saut en longueur, saut en hauteur, c'est pas mal ça. Je rigole. Ouais, non, 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 j'abandonne là. Pas dans les plans. Je te laisse là. Maintenant, au vu de cette expérience et des petits conseils que tu as pu nous donner sur le changement de vie au niveau de la prévention des blessures, donc de la prévention de la blessure que tu as connue et d'entretien de ton corps, quelles sont les meilleures leçons que tu as pu en retirer de tout ça? Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu pourrais annoncer et dire voilà tout ce que j'ai retenu et ce que je peux vous conseiller au vu de mon expérience? Bah, ce que j'ai retenu déjà, ça paraît bête sur le moment, mais c'est finalement de pas laisser la période de réaction en fait durer trop longtemps. Parce que plus on perd du temps après un accident pareil, pour moi le temps, je te dis de réaliser, de me dire que j'avais pas envie de faire tout ça, plus on perd du temps et plus c'est compliqué après. En fait, il faut y aller effectivement. Le plus rapidement possible. Donc après, tout dépend du type d'accident. Hein. Je veux dire, c'est les kinés, les médecins. Mais quand les médecins et les kinés disent on y va, il faut pas s'enfermer dans la cage mentale dans laquelle moi je me suis enfermée parce que c'est destructeur physiquement et moralement. Et je suis certaine hein, que ça a joué énormément, que mon impact, enfin ce que j'avais psychologiquement, ça a joué sur le fait que physiquement, j'arrivais pas à récupérer comme je voulais. Et du jour où j'ai accepté, où j'ai intégré l'idée, où j'ai dit ok, c'est bon, ça y est, effectivement, c'est derrière moi. Bon, bah, on va aller de l'avant, on va reprendre des études, on va faire quelque chose. J'ai dit, OK, bon, on y va. Et bizarrement, ça a été beaucoup mieux, j'avais beaucoup moins mal. Je faisais les exercices, je faisais ce qu'on me demandait, j'en faisais même un peu plus parce que je me disais, bon, j'ai quand même envie que ça revienne assez vite. Et en fait, finalement, c'est quand tu as envie d'aller bien, en fait, et que tu t'acceptes, que tu acceptes d'aller bien, la roue, elle se met en marche toute seule. Elle se met en marche et après, il n'y a plus rien qui peut t'arrêter. Donc le seul conseil vraiment, ce serait celui-là, ce serait de se laisser peut-être juste effectivement un petit temps quand même pour réaliser qu'on a perdu certaines choses, qu'on doit changer de vie, mais pas au point que ça devienne destructeur et qu'on finisse par s'enfermer, par s'isoler et par perdre du temps en fait. Parce que ça a été le pire pour moi, ça a été de perdre du temps et de m'enfermer, de tomber dans les médocs et de... Ça a été le plus vraiment le point noir. Donc juste pas faire ça, surtout pas. Oui, c'est ça, c'est une spirale de dépression. C'est ça. Du coup, c'est les médocs, c'est les antidépresseurs, c'est les antidouleurs. C'est un cercle vicieux, en fait. Et plus tu te complais là-dedans, parce que, alors c'est pas volontaire, hein, mais plus tu vas te complaire là-dedans et moins tu vas t'en sortir. Et c'est là où c'est hyper traître, en fait. C'est hyper traître. Donc, bienveillance vis-à-vis de soi, accepter qu'on a le droit d'aller mal hein, pendant un temps, surtout après un accident comme ça, psychologiquement comme physiquement, on a le droit, mais il faut pas que ça dure trop longtemps, parce que c'est le meilleur moyen de sombrer, en fait. Moi, j'ai eu la chance d'être entourée, mais je pense sincèrement que si j'avais été toute seule, j'aurais coulé. J'aurais coulé. Je me serais laissée couler parce que je m'étais enfermée là-dedans et que je voyais pas d'intérêt à faire autre chose, en fait. Hyper important que tu Je voyais s'entoures à ce pas moment-là. d'intérêt. C'est ça. S'entourer et voilà, même les médecins, souvent, moi, les kinés, les médecins de l'hôpital ont été incroyables, mais vraiment, je ne les remercierai jamais assez. Soizig et Audrey, qui ont été mes deux kinés à Bordeaux, qui sont toujours là d'ailleurs et que je vois régulièrement, puisque je continue la kiné quand même. Si elles n'avaient pas été là, si elles ne m'avaient pas mis ce coup de pied aux fesses dont j'avais besoin, je me serais enfermée, j'aurais continué et j'aurais pas probablement fini par faire une connerie. Et ce n'était pas la solution. Parce qu'aujourd'hui, ça va très bien. Voilà, toi aujourd'hui, bah, tu le sais, je veux dire, je me suis remise en couple, donc Oui. ça va. J'ai repris des études qui me passionnent.
Enfin, j'adore ce que je fais. Donc, j'ai eu des regrets pendant un temps, j'en aurais peut-être toujours un peu. Parce que quand je repasse au moulin, quand je repasse au cirque, que je vois tout le monde, je fais « Ah, moi aussi, j'étais là Bien avant, sûr, c'était bien bien sûr. quand même. Ça fait partie de ta vie. Mais tu te dis « Bon, bah, j'ai quand même eu la chance de le vivre. Ok, c'est fini, c'est triste, mais j'ai eu la chance de le vivre. J'ai les souvenirs, ils s'effacent pas. Il y a les photos, il y a les messages, il y a les vidéos. Donc, ça sera jamais perdu, en fait. C'est là, dans un coin de la tête, c'est sur papier. Ça reste, les moments, ils restent, ils s'oublient pas. Et c'est bon, en fait. T'as eu la chance de le vivre, ben, c'est cool. Parce qu'il y en a qui le vivront jamais et qui vont toujours courir après ça. Alors que moi, je l'ai vécu et finalement, je me dis, bon, bah, ok, maintenant, je peux vivre une autre vie. J'ai eu la première, entre guillemets. On va dire que ce jour-là, je suis un peu morte quand même. Mais aujourd'hui, du coup, je vis une vie totalement différente et qui me comble. Aujourd'hui, je ne demande rien de plus. Et, ok, ça marche. Merci beaucoup pour ce message qui est vraiment beau. C'est une métamorphose, c'est un changement, c'est une évolution. On est passé d'un Pokémon à un autre. Et Tu allais c'est. me dire, genre une chenille à un beau papillon, mais non, non, ok, c'est. Alors, ça c'est toi qui gères. Si tu veux être un Gravalanche, un Dracaufeu ou un papillon, c'est ton choix. Tu m'avais Mais. pris pour un Ronflex, tu vois, j'étais un peu vexée quand même. Alors, je sais pas si. Alors, de l'époque où je jouais, je crois pas que Ronflex avait d'évolution. Il y avait Ronflex, c'est tout. Il était là sur la route et c'est tout. Mais, putain, je suis trop vieux pour ça, mais c'était la version feu, il bloquait la route, c'est trop du cul. Et c'est marrant parce que tu parlais du mental et du fait que ça puisse te bloquer dans ta récupération. Mais j'avais une petite anecdote qui était venue en tête à ce moment-là et qui je pense qui va intéresser pas mal de personnes. Alors je n'ai pas les faits exacts encore en tête, mais en tout cas tout ce que je vais vous dire c'est véridique. Je vais peut-être un petit peu déformer l'histoire parce que je ne me rappelle pas exactement. Mais le mental est tellement puissant qu'il peut vous amener à mourir. Ce qui peut vous amener à tomber gravement malade, qui peut vous amener à voir la mort. Il y a une expérience qui a très mal tourné et qui est assez connue dans le monde scientifique. C'est tout simplement un groupe scientifique et le directeur de recherche qui fêtait son anniversaire ou un enterrement de vie. Je sais plus exactement, mais c'était une date assez importante pour lui. C'était autour de cette date. Et en fait, ils ont voulu lui faire une surprise. C'était de tout simplement faire une petite étude sur lui-même, sur leur directeur. Ils l'ont kidnappé, pas kidnappé parce que c'était pas un enfant, mais c'est ça, en fait. Ils l'ont emmené dans un camion. Ils l'ont menacé. Ils ont menacé sa famille. Ils l'ont fait quelques bobos, tu vois, genre histoire de montrer que c'est quand même un. Voilà, faut que tu rentres dans l'expérience, mon gars. Ils l'ont emmené en forêt et ils ont fait mine qu'ils allaient le guillotiner. Donc, c'était pas une guillotine, c'est tout simplement une hache. Ils avaient une hache qu'ils ont humidifiée pour faire l'effet un petit peu froid du métal, etc. Ils l'ont posé sur la nuque de l'homme en question. Et il a tellement eu peur que sa gorge allait être tranchée qu'il est mort sur le coup, nettement. Il a cru que c'était sa tête, c'est bon, c'était fini, quoi. Et elle est terrible, cette étude. Elle est terrible parce que les gars, ils ont tué leur patron, quoi. Et à la base, c'est un groupe de recherche qui fait des études sur ces domaines-là, en fait, sur la puissance du mental. C'est-à-dire que les gars, ils ont tellement étudié le sujet, et pourtant pas assez, qu'ils ont tellement négligé la puissance du truc qu'ils ont tué leur boss, quoi. C'est ouf. Mais j'avais une amie du coup qui est en bio qui a fait son étude sur ça en fait sur le comment dire sur donc enfin elle n'a pas encore fini sa thèse d'ailleurs, elle n'a pas encore terminé, elle est dans la même situation que mon amoureux même. Et en fait elle son sa thèse portait sur le comment dire le fait que les cellules en fait en gros se laissaient mourir quand le mental accepte que enfin où tu te dis, bon, bah, j'arrête là. Comment, en fait, les cellules du corps vont se laisser mourir, en fait. Comment le corps entier va se désagréger de l'intérieur, simplement. Et c'est impressionnant. Donc, j'essaierai de te trouver le rapport qu'elle avait fait. Je lui ai demandé tout à l'heure. C'est génial, Et hein. c'est impressionnant, en fait, quand réellement tu choisis de mourir, quand tu décides de mourir, comment, en fait, ton corps entier va, alors peut-être que tu as une partie hein, qui va résister parce qu'on a quand même l'instinct de survie, mais comment aussi ton corps peut se laisser tomber, quoi, Ouais. littéralement. C'est impressionnant de voir à quel point le cerveau à ce moment-là compte, c'est incroyable.
C'est ce qui se passe souvent chez les personnes âgées ou des personnes qui sont gravement malades. Même si elles ont la possibilité d'être soignées, elles ne sont pas sur le dernier stade. Bah, parfois, elles lâchent la vie volontairement et la vie part avec, tout simplement parce qu'il y a des changements à l'intérieur qui font qu'ils ne sont plus capables d'assumer la blessure ou la récupération en question. Il y a un grand moment de cinéma qu'on connaît tous les deux sur une saga qui me fait penser à ça, c'est la mort de Padmé dans Star Wars et la revanche des Sith. Mais les gens rigolent beaucoup de ça, mais ça arrive souvent ce genre de situation, c'est qu'une personne tout simplement perd la vie, le goût, enfin, l'envie de vivre et parte par la même occasion. Mais de manière beaucoup plus simple et sans parler de mort, pensez tout simplement au type de situation où genre vous allez tomber malade, vous savez que vous êtes à peu près sur le point de tomber malade, vous vous dites putain, fais chier, je suis malade. Et vous tombez systématiquement malade. Il y a une étude qui a été faite et qui est assez puissante sur ces personnes-là, où on leur a fait donner une sorte de pilule fausse, en fait, un placebo, qu'ils avaient à prendre dans certains types de situations. C'est une étude qui a été longue, sur de nombreuses années. Les personnes qui ont pris cette pilule au moment où ils avaient pensé tomber malade devaient noter, en fait, et en général, elles ne tombaient pas malades. C'est-à-dire qu'elles avaient des premiers symptômes, mais ça poursuivait pas, en fait. Oui, oui. Bah oui, non, mais c'est enfin, moi, je le vois au quotidien, effectivement, hein, quand je me dis que non, ça va, enfin, qu'il n'y a pas de souci, que... Comme, un truc tout bête, tu vois, mais là, quand on a fait le vaccin pour le Covid, mon chéri était hyper angoissé, il a peur des piqûres et tout, et ouais. Il a entendu des gens autour de lui dire qu'ils avaient eu des symptômes, des maux de tête, etc. Moi, je lui ai dit, écoute, franchement, il n'y aura rien, ne te mets pas des trucs en tête et tout, ça va être pire. Le soir même, après, il avait mal à la tête, il avait des courbatures, il avait de la fièvre. Et je lui ai dit ça, je suis persuadée, même si peut-être tu as eu réellement effectivement des effets secondaires, mais je suis persuadée que ça a été amplifié, tes maux de tête, là, qui ont duré 2 jours, parce que tu étais persuadée que ça allait arriver. Tu t'es mis ça en tête, tu t'es dit, je vais avoir mal à la tête comme machin, je vais avoir tel symptôme comme machin. Et c'est arrivé. Alors que je lui dis, moi, j'étais hyper sereine, j'avais ni peur, ni rien du tout. Et j'ai rien eu. Ouais. J'ai rien eu du tout. Et c'est systématiquement comme ça. Ouais. Même le stress, hein, à quel point ça peut te... Ça m'étonne, mais alors tellement pas, parce que personnellement, j'étais dans le même état d'esprit. Alors, j'ai pas envie de m'engager vis-à-vis de toute la situation du Covid, je l'ai jamais fait sur Instagram, etc., parce que c'est pas mon rôle. Mais je sais que, de retour d'expérience en tant que coach, toutes les personnes qui sont venues vers moi discuter dans mes coachings, me dire « Julien, je vais me faire vacciner demain, etc., qu'est-ce qu'il faut faire ?» En général, elle stressait de fou et à chaque fois, elle me disait « Ah bah Julien, nanana, j'étais complètement KO, etc. » Et à chaque fois, c'était une relation entre le « je sais qu'il peut se passer des choses et il se passe des choses » qui était mais tout le temps présente. Et personnellement, j'étais dans la même situation que toi. J'étais extrêmement confiant vis-à-vis du vaccin. Les deux prises, j'ai rien senti. Je me suis même demandé la deuxième fois si la meuf essayait pas de me draguer et qu'elle avait rien fait, en fait, que j'ai jamais été tout simplement piqué. Je comprenais pas parce que juste avant, j'ai eu les 25 ans cette année. J'ai fait les rappels tétanos, etc. Là, tout le packaging, je l'ai fait avant le Covid. Et là, je l'ai senti, même si j'avais aucun a priori, parce qu'en soi, je m'en fous, c'est important, parce que sinon, je peux pas voyager. et tu vois, genre, je m'étais dit, mais tranquille, c'est des vaccins, c'est nécessaire. Et sur le coup, bon, bah voilà, j'avais senti effectivement à l'épaule que j'avais mal, j'avais du mal à bouger l'épaule, j'avais un petit peu de fièvre le soir, mais le lendemain, plus rien. Et Covid, rien, mais alors, rien du tout. Je me suis même demandé si on m'avait pas complètement loupé, quoi. Ben ouais, non, mais ça se tient. Ça se tient. Mais c'est là où, oui, le cerveau, ça, c'est fascinant. Enfin, c'est incroyable. C'est le pouvoir. Ouais. Peut-être que là, tu sais, je reviens de 15 jours. Là, j'étais chez toi justement il y a 15 jours. Et ce week-end, il y aura la vidéo de Bordeaux qui sera en ligne sur la chaîne YouTube d'ailleurs. Je reviens de chez toi et en fait pendant 15 jours bah, j'ai pas mangé assez de micronutriments, de vitamine C et compagnie au bout de 15 jours je me suis dit oh putain faudrait pas que je tombe malade. Je reviens hier, je prends le train, je commence à avoir la voix qui mue et là je fais eh merde. fallait juste te taire. Oh, bah c'est une bonne leçon. Non, il faut toujours se dire, vous êtes des gagnants, il va rien se passer. Mais bon, si vous pouvez éviter de faire les fous à Bali, faites-le. Ouais, c'est ça, faites gaffe. Et surtout, c'est un rappel, les surfeurs pros le savent évidemment, mais moi, on me l'a répété depuis gamine, et c'est pour ça que c'est peut-être une des rares règles
que j'ai toujours suivi dans ce milieu-là, enfin, il y en a plein d'autres aussi, hein, mais du code du surf, entre guillemets, c'était de ne jamais surfer seul, que ce soit le matin, le midi, le soir, ne surfer jamais, jamais, jamais seul. Parce que si là, moi, il n'y avait pas Diego dans l'eau avec moi, je me prends la vague, je tombe inconsciente, je me noie et personne ne le sait. Donc vraiment, c'est un rappel, même pour les débutants, ne surfez jamais tout seul. Même si vous pensez que les vagues, ça va, il suffit d'un coup mal placé, un coup de planche, une vague, n'importe quoi, et ça peut être fatal. Donc vraiment, juste rappel, pas de surf tout seul. Toi, je sais que maintenant, tu es un pro de la vague, donc je te le rappelle au cas où. Mais jamais de surf tout seul. Vraiment, jamais, jamais tout seul. Surtout okay. Pas. Bah c'est très bon à savoir, j'ai l'impression que tu le donnes qu'à moi, ce conseil. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que je suis parti chez elle, j'ai fait une demi-journée de surf, j'ai kiffé et je compte bien en refaire. Mais j'avoue que le retour d'expérience de Léa me fait un petit peu peur. C'est normal. Non, mais, ça non, fait peur sinon... à tout le monde. Tous les gens à qui je le raconte n'osent plus aller surfer. La France, c'est bien, il n'y a pas de récif, c'est que du sable. Voilà, je vais rester en France. C'est énorme, mais disons, voilà, tu peux le faire à l'étranger, mais une fois encore, il faut être un minimum... minimum entraîné et voilà, être bien entouré, même là-bas. Ouais, bah ouais, tu m'étonnes. Ok, ça marche. Merci beaucoup pour ton témoignage, Léa. C'était super. Avec plaisir. Avec plaisir. Je te souhaite de passer une bonne fin de journée. Et puis, c'est parti. Et c'est parti pour la mise en place du renforcement. Prends soin de tes genoux. et si tu veux manger des mousses au chocolat, prends soin de ton activité sportive. Ouais, bah écoute, ça fait une semaine que j'ai rien fait et par contre j'ai mangé de la moussière et ce soir, donc okay. Écoute, on repassera pour le sport, je m'y remettrai la semaine prochaine. Sur le mousse au chocolat. Okay. Oui, je te ferai une petite photo perso, rien que pour toi. Ça marche, merci Léa Rose, je vous souhaite de passer une bonne soirée, salut. Merci, toi aussi, bye bye. Et voilà, c'était le podcast accompagné de Léa Rose. J'ai changé de coupe actuellement si vous êtes sur YouTube, mais tout va bien. Je viens de passer chez le coiffeur, il était temps. Ma voix s'est un petit peu enrouée depuis le podcast. J'ai changé d'étape de la maladie, mais tout va bien. Sinon, j'espère que ça ne vous aura pas trop dérangé ma voix un petit peu enrubée sur le podcast précédent, enfin sur le podcast que vous venez d'écouter. Si vous l'avez apprécié, merci de mettre une note, de mettre un like, de vous abonner pour le podcast et si possible, si vous voulez me soutenir, de mettre un commentaire. Si vous êtes sur Apple Podcast, mettez une note. Si vous êtes sur Spotify, passez sur YouTube, me mettre un commentaire, ça serait vraiment super cool. Merci pour votre écoute, on se retrouve pour un prochain épisode. Salut les athlètes, c'était Julien. Salut, je suis Julien, créateur de MFT Misfit Tidings et du podcast Next Physique que tu es en train d'écouter, mais aussi le coach de la team MFT. MFT s'est bien développé depuis 3 ans maintenant. On a aidé des centaines de personnes, bientôt de milliers, à se transformer physiquement, mentalement et devenir la meilleure version d'eux-mêmes. À l'origine, MFT souhaitait réunir les meilleurs conseillers et spécialistes pour obtenir un quotidien optimisé et devenir un vrai athlète à sa façon. C'est pour ça qu'on nous appelle les athlètes. Mais tout ça sans être frustré avec son sport, sa diète ou autre. Désormais, on sait qu'on est des experts en la matière. Easy peasy. On a agrandi nos capacités d'accueil en coaching. On a créé une vraie équipe soudée parmi les coachés. On se rencontre régulièrement et l'ambiance dans le chat privé, elle est toujours présente. Même le côté entraide est ultra développé. Parfois, on s'absente une demi-journée et là, tout le monde a déjà répondu à une question d'une autre personne. C'est ça la team MFT. Next Physique s'inscrit dans la lignée et l'esprit de ce coaching. On veut le meilleur pour chacun de nos élèves. On a une bibliothèque d'applications mobiles avec différents guides, des calculateurs, des outils de coaching, une interface de suivi en direct avec le coach référent, moi par exemple, et un chat de groupe, un groupe Facebook avec plein de lives explicatifs et des tutos techniques, par exemple pour des exécutions ou rentrer plus en détail sur une partie de mouvement. Toutes les semaines, on met à jour l'entièreté du programme. Ça, c'est un suivi. C'est pas ce qu'on appelle un programme, c'est vraiment un suivi. On est présent tous les jours pour assurer la meilleure évolution possible de la personne et c'est pour ça qu'on fait du coaching en ligne. Un bilan de la semaine est aussi mis en place entre le coaché et le coach. Il permet de statuer sur les différents points d'évolution autour de la nutrition, du sommeil et les différentes informations générales. C'est un tandem entre vous et nous, une équipe qui avance ensemble. On vous prépare le terrain, on assure vos arrières, on fait le job et vous êtes sur le terrain. On vérifie chacun des mouvements via des vidéos à nous envoyer afin d'optimiser vos entraînements. Pour ma part, les coachings sont sur réservation. Si tu écoutes ce podcast, c'est que tu es potentiellement intéressé par l'optimisation de tes résultats
et qu'on ira sans doute loin ensemble. Contacte-moi directement sur Instagram par message pour qu'on en discute ou qu'on regarde mes disponibilités de réservation. Plus d'informations sur le suivi avec le lien en description.